ONG Vivre Mieux, Dameou Rabita. Oliva, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, lundi 18 juillet 2022. Bélier, vos relations conjugales évolueront dans le bon sens et vous offriront des moments de bonheur. Si vous êtes seul, vous aurez des chances de rencontrer quelqu'un qui vous plaira. Les natifs du Bélier éprouveront sans doute une contrainte financière. Envisagez une activité sportive énergique qui vous aiderait à supprimer le trop-plein de vitalité. Tout ce que vous commencerez aujourd'hui sera appelé à prendre une belle expansion professionnelle. Taureau, tout en continuant à croire avant tout aux vertus du travail pour atteindre vos objectifs professionnels, vous accepterez de cultiver un peu plus des relations utiles. Vous aurez sans doute des choix financiers importants à faire. Ne vous décidez pas à la légère. Les rapports conjugaux auront des chances d'être bien plus satisfaisants que d'habitude. Célibataire, les yeux rivés sur l'horizon lointain, vous vous attacherez à construire un bonheur sentimental stable. Gémeaux, au travail, vous aurez du mal à conserver le respect que vous devez à vos supérieurs. En revanche, vous serez impitoyable envers vos collègues ou subalternes. Des coups de chance en argent sont possibles. Vous allez vivre une certaine animation dans votre vie conjugale. Soit votre couple est solide, soit en grande difficulté, ce qui pourrait inciter votre partenaire à l'infidélité. Célibataire, c'est à l'occasion d'une cérémonie ou d'une fête que vous fêterez la rencontre de votre vie. Cancer, le travail ne manquera pas et vous aurez encore des projets en souffrance dans le placard. Votre situation matérielle se présentera bientôt bien. Si vous êtes prudent et avisé, vous ferez fructifier vos ressources financières. En couple, prenez de la distance, elle sera bénéfique. Célibataire, une belle rencontre est possible en début de soirée. Tout ce qui touche à la détente vous est alors conseillé. Médiation ou promenade en campagne. Lion. Retenez tout simplement. En tant que lion, si votre vie de couple ne vous satisfait pas totalement, ce sera à vous de faire les premiers pas. Célibataire, vous préférerez faire la rencontre d'un mature que celle d'un jeune. Excellente journée pour étudier de plus près l'état de vos finances. Vous pourrez faire davantage fructifier vos ressources. Le secteur santé sera à surveiller. Vous risquez toutes sortes de petits bobos de type inflammatoire ou accidentel. Jupiter ne manquera pas d'éveiller vos ambitions nouvelles et surtout un grand désir de s'affirmer et de marquer la différence au travail. Vierge, votre vie de couple sera agréable, mais dans l'ensemble, ce domaine vous procurera peu. Célibataire, avec plusieurs planètes influençant vos signes, vous aurez besoin de briller et de séduire. Sur le plan financier, vous aurez une envie irrésistible de vider votre compte en banque dès qu'il sera quelque peu réapprovisionné. Peut-être feriez-vous bien de mettre quelques économies de côté. Votre résistance sera plus solide que hier. Si vous envisagez de changer d'orientation professionnelle, c'est aujourd'hui que vous devez prendre des contacts. Balance. Si vous êtes en couple, vous aurez besoin plus d'indépendance, ce qui ne sera peut-être pas du goût de votre conjoint. Si vous êtes solitaire, une rencontre importante est possible, mais vous ne serez pas facile à séduire. Vous effectuerez de bons placements grâce au concours de Jupiter. Très actif, vous multiplierez les initiatives. Prenez soin de vous, rien de tel pour vous détendre. Tenez-vous prêt à vivre avec intensité et rapidité les situations qui s'offriront à vous. Au travail, les critiques et la jalousie pourront titiller votre amour-propre. Scorpion, en couple,
prenez toujours, pensez toujours à cultiver la tolérance. Célibataire, Saturne vous rendra plus séduisant et sexy que d'habitude. Uranus et Neptune se trouveront dans votre secteur argent. Leurs combinaisons négatives pourront déstabiliser votre équilibre budgétaire en vous mettant face à des dépenses imprévues et difficiles à éviter, en vous provoquant des malentendus avec vos créanciers ou débiteurs. Sagittaire, attention, simplement, si votre couple bat de l'aile, n'abordez pas les dialogues épineux. La discussion risquerait de tourner à la dispute. Vous êtes seul, Vénus vous sera favorable. Ce sera le moment de soigner votre look. Une rencontre agréable sera dans l'air. Évitez de prendre des risques excessifs dans le domaine pécuniaire. Mais rien ne vous empêchera d'effectuer des transactions financières profitables. Chance au jeu de hasard accru. Vous serez tout temps nerveux au cours de la journée. Capricorne, sur le plan conjugal, vous serez plus sensuel et charmeur. Célibataire, les astres vous donneront une sensibilité à fleur de peau et une émotivité intense. Mais attention, gardez quand même les pieds sur terre. Beaucoup profiteront de votre générosité, surtout ceux du sexe opposé abuseront sans vergogne. Côté santé, fuyez les situations stressantes et les discussions qui risquent de tourner à l'orage. Au travail, vous commencerez à récolter les fruits de vos efforts. Verseau, de profondes joies amoureuses en compagnie de l'être cher vous sont promises par Jupiter. Célibataire, préparez-vous à vivre un grand amour. Excellente journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances et de vos placements si vous en avez. De bonnes affaires sont possibles actuellement. Limitez vos apports en sucre et en matière huileuse. De nouvelles perspectives s'offriront à vous sur le plan professionnel. Poisson, en couple, vous ferez des projets à long terme avec votre conjoint. Célibataire, vous ressentirez un besoin impérieux d'être aimé. Si votre situation financière est préoccupante, sachez que la meilleure solution pour aujourd'hui réside dans l'ordre. Surtout, ne bâtissez pas de château en Espagne et n'espérez pas vous en sortir par la spéculation ou le jeu de hasard. De l'énergie, vous en aurez à revendre. Risque de tension professionnelle, malgré votre volonté de réussir, vos progrès pourraient être sérieusement freinés. Surtout, gardez votre sang-froid. Dame et Rabitan, visionnaire astrologue, vous souhaite un bon début de semaine et vous invite à vous préparer pour le bain de purification de l'aura et du réveil de l'étoile de nos statuettes de jumeaux qui aura lieu le dimanche 24 juillet à partir de 7h jusqu'à 17h au temple des grandes victoires. Pour tout renseignement, appelez-nous au 94 46 15 75 ou au 96 44 90 89. Je vous remercie.